Non, ça marche pas comme ça. Voilà, et ben c'est parti ouais. Pour ce webinaire qui a déjà démarré de présentation de ce summer camp. On a commencé à faire connaissance un peu avec les uns les unes les autres. Ben je vais partager un petit peu le programme de ce temps. On avait dit qu'on Partage se présentait un petit peu. Ah mince. Je partage juste ouais, un peu les étapes par lesquelles on va passer, puis après on va se présenter. Donc voilà, on va se présenter. Et puis on va présenter un petit peu à la fois Dragon Dreaming et la gestion du possible. Donc ces deux approches un peu qui se conjuguent au cœur de cet événement. Et puis ben, présentation du Summer Camp, de où on en est dans tout ce qui est posé, tout ce qui n'est pas encore posé, qui reste ouvert. Et puis un temps de questions-réactions sur ça, enfin vous entendre, avoir du feedback. Et puis collecter vos rêves aussi pour voir qu'est-ce qui vous ferait vibrer si vous rejoignez ce projet, cet événement. Vous faire goûter un petit peu à la teneur d'un cercle de rêves. Voilà, et on finit à 14h tous ensemble. À moins qu'il y en ait qui doivent partir avant. Voilà. Effectivement, on peut se présenter. Un tour de rôle. Alors, ça j'ai quoi? Bon, bah, moi, j'ai parlé. Alors, ben, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, avant je le redis, vu qu'il y en a qui n'étaient pas encore arrivés, je me suis formée à la méthode Dragon Dreaming de façon plus approfondie. J'ai fini de me former, on va dire, l'année dernière, si on finit de se former un jour. Je suis pas sûre. Et je me suis aussi formée à d'autres outils de l'intelligence collective depuis 3 ans, et après de multiples expériences en design d'événements, communication, j'ai monté une épicerie vrac. Je me lance dans une activité professionnelle de facilitation de dynamique de groupe, et notamment une des énergies que j'ai envie de mettre en place, c'est de redonner du sens à nos rituels. Et au rituel tout court, parce qu'on n'a plus beaucoup de rituels dans nos vies. Et j'ai aussi envie d'accompagner les groupes dans cette direction-là, et d'accompagner les célébrations de la vie pour essayer de donner un sens plus profond à ce qu'on fait. Vous partagez que on organise ensemble des célébrations chaque saison, par exemple, pour donner un peu de contexte à ce qu'on fait. Et du coup, ben, j'ai découvert la gestion du possible en rencontrant Gabriel. Et on a aussi des projets qu'on mène ensemble de proposer des stages de permaculture intérieure, donc comment cultiver son jardin intérieur. Voilà, l'idée, c'est aussi de mixer un peu nos deux activités ensemble pour voir ce qui peut émerger. Voilà ce que je peux dire de moi. Et du coup, bah, j'ai hâte de. Je suis super contente qu'on commence ce projet par ce webinaire. Et c'est vraiment un beau rêve qui est en train de se mettre en place. Voilà. Merci. Je prends la suite. Et il y a la citation d'un artiste que j'aime beaucoup qui dit si un humain rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve. Et si plusieurs êtres humains rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité. Et voilà, il y a ça qui m'anime là dans ce que tu partages. Moi, j'ai découvert la permaculture d'abord. Je me suis formé dans plein d'éco-villages, donc j'ai eu un parcours vraiment non linéaire, c'est-à-dire que je suis allé d'éco-village en éco-village pour me former en permaculture. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était l'aspect humain qui empêchait le déploiement de cette nouvelle culture, et notamment l'aspect émotionnel et la gestion, j'ai envie de dire, de cet écosystème intérieur. C'est ça qui m'a appelé à la gestion du possible. Et donc, pour trouver des possibilités. L'invitation, c'est de pouvoir les trouver en soi, et donc trouver ses ressources en soi,
pour nourrir le collectif et que le collectif nourrisse l'individu. Voilà. Moi, j'arrive avec cette énergie-là et ça fait 3 ans maintenant que je suis coach et facilitateur dans ce domaine-là. Voilà. Ok, j'enchaîne. Bienvenue à Véronique. On a fait un petit tour de présentation. Là, on se présente un peu plus, Gabrielle, Ludivine et moi. Et avant de présenter un peu le projet du Summer Camp. Moi, je me suis reconverti il y a 8 ans pour me lancer à mon compte dans le coaching, la facilitation individuelle et collective. Et mon but et mon activité qui s'appelle Eco Dream, c'est d'accompagner chacun et chacune et chaque collectif à attraper ses rêves et à les réaliser, à les matérialiser. Et voilà, en faisant appel à la créativité et en osant rêver, en fait, et en développant ses ressources internes, son potentiel, et aussi en rencontrant ses dragons personnels, ces choses qui nous challengent et qui sont vivantes en même temps à l'intérieur. Et voilà, et j'ai découvert, comme je le disais, le rêve du dragon il y a presque 10 ans, et ça fait partie d'une de mes grandes bases d'accompagnement et de vie. Et voilà, et plus particulièrement, j'accompagne les transitions professionnelles, les transitions de vie, et voilà, et les collectifs qui résonnent avec les valeurs qu'on va vous présenter, notamment avec le rêve du dragon, centré sur l'humain, la nature et le développement de soi. Voilà pour moi. Ok. Est-ce que Véronique, tu veux nous dire un mot sur où tu es et qu'est-ce qui t'amène là pour t'inclure? Vérifier que ton son fonctionne aussi. Ou nous écrire si jamais tu peux pas dans le chat. Suspense. Bon, en attendant, on peut enchaîner. Ouais. Du coup, on va vous présenter la genèse de ce projet-là. Donc, on a déjà un petit peu commencé, j'ai l'impression, en se présentant, parce que c'est un peu nos activités respectives qui font qu'on se lance là-dedans. Je te laisse la parole, Julien, pour Ouais, ça marche. parler de ton rêve. Ouais. Dans le cadre de Dragon Dreaming, il y a une communauté en France, un réseau, puis aussi à l'international. Et en France, on se réunit un minimum une fois par an. Et depuis, le réseau existe depuis 2011 en France, du Rêve du Dragon. Et on se réunit, et la dernière fois, c'était en juillet. Et puis, à chaque fois, on célèbre, on rêve et on fait émerger des projets. Et un des projets qui a émergé, c'est de créer un summer camp, avec l'idée de se retrouver pour tisser des liens déjà entre personnes inspirées qui accompagnent d'autres personnes, et d'échanger sur nos pratiques, nos expériences, et puis de s'inspirer mutuellement pour se donner encore plus de chances de réaliser nos rêves et les rêves dont le monde a besoin. Et le tout en mode léger. Ben voilà, l'idée que ce soit en été, c'est que ce soit aussi un temps de détente et d'ouverture, et qu'il y ait de la place au jeu et aux festivités parce que ça fait partie de la vie et que c'est peut-être un aspect essentiel aussi de s'amuser tout en réfléchissant et en agissant sur ces sujets-là. Voilà, et du coup, on a pris le lead avec Ludivine, et assez vite, Gabriel est rentré dans la boucle. Pour ce projet, et qui a été inspiré aussi d'un événement que tu as fait l'année dernière, Gabriel, sur la gestion des possibles aussi, avec un temps, voilà, assez long, une bonne semaine, voilà, avec un temps un peu avant, un gros pendant, et puis un temps ensuite de restitution de ce qui se passe. Et voilà. Et moi, j'avais un rêve aussi depuis un moment de créer un format un peu de résidence, de projet. Voilà, donc c'est un peu se poser et puis co-créer des choses. On ne sait pas encore quoi exactement, mais en tout cas, on connaît les intentions.
Je peux prendre la Voilà, suite. vas-y. Moi, je voulais rajouter que du coup, bah, moi, j'ai aussi vécu dans un écolieu l'année dernière, et puis aussi par rapport à d'autres observations de ce que je voyais autour de moi, et la prise de conscience qu'on a vraiment besoin de développer une maturité au niveau émotionnel pour pouvoir vivre et travailler ensemble. Et c'est un peu aussi ce qui m'a poussée dans l'idée de ce summer camp, de dire bah, comment on peut créer de nouvelles façons d'être ensemble, et sans que ça soit juste survoler, découvrir des outils et se dire ah, les outils sont chouettes, mais en fait vraiment aller dans la profondeur de se questionner sur qu'est-ce qui fonctionne pas et pourquoi ça fonctionne pas, et comment on peut changer ces choses-là pour qu'elles se mettent à fonctionner vraiment, quoi. Et pas faire l'image que j'ai là, c'est de mettre des petits bouts de pansement partout, quoi. D'arrêter de mettre des petits bouts de pansement partout, et de vraiment reprendre à la base, quoi, et de consolider la base, en fait. Donc voilà, c'est un peu ça, avec aussi cette énergie-là que j'ai envie de mettre dans ce projet de summer camp. Est-ce que tu veux parler vite fait de la maison de passerelle? Ouais, c'est vrai que c'est une des idées qui m'a. Donc, c'est une résidence d'artistes et de développement personnel qui avait lieu l'année dernière. Donc, l'idée, c'était d'en faire une continuité. Et là, cet espace Summer Camp, Dragon Dreaming, faisait sens pour l'intégrer et proposer aussi des espaces que moi, j'appelle de connexion à soi. En profondeur, à son écosystème intérieur, mais aussi des espaces de réelle création. Parce que je trouve que moi, ce qui me motive à organiser cet espace, cette résidence ou cette passerelle, on peut dire, vers une nouvelle culture, c'est que l'on puisse vraiment accéder à un état de création. Pas être dans un état où on va copier en fait tout ce qu'on a vu, même tout ce qui émerge à l'heure actuelle sur les réseaux, etc. Mais vraiment quelque chose de spontané, de vrai, d'authentique qui vient de chaque être individu que nous sommes. Et donc moi, ce qui me tient à cœur, c'est de faciliter ça, de faciliter l'émergence d'une réelle création pour sortir de la copie ou de la recopie. Et un truc qui me touche particulièrement, et c'est pour ça que je mets le mot art dedans, enfin, c'était présent l'année dernière, mais là aussi, ça va être présent. Enfin, j'ai envie d'amener ça, moi, cette qualité artistique pour représenter les choses. C'est que, ayant fait quelques études là-dedans et ayant vu ce qui se profile au niveau de l'art en général, pas seulement contemporain, mais global, je trouve qu'il y a une perte énorme dans la capacité à être en contact avec un art visionnaire. Qu'on a perdu cette capacité, cette qualité de l'art à être visionnaire. On peut trouver un très bel art dénonciatif qui dénonce voilà, les projets, etc. Mais cet art visionnaire est en perte de vitesse et je trouve ça vraiment très dommage pour le futur que nous avons à nourrir. Voilà. Moi, c'est aussi ce qui me porte, ce que j'apporte en plus après de l'aspect développement personnel. Est-ce que tu peux dire ce que tu as dans ton rêve de art visionnaire? Je ne comprends pas bien ce que ça peut être. Je Et comprends, mais je ne suis pas sûre de, voilà, que ce soit ça. est-ce que je peux juste dire que c'est un grand écho en moi et merci. Je suis très content d'être ici maintenant parce que c'est vraiment pour moi la première fois que je suis dans un réseau français, francophone, parce qu'en Allemagne, j'ai ça aussi. Partout dans les éco-villages, je fais la danse contact. Et enfin, merci pour ces mots-là. Je retrouve ça dans un monde que je ne connaisse seulement à travers de l'université, dans les villes, parce que j'ai vécu en France que seulement quelques années. Waouh! J'ai vraiment hâte de venir un jour au camp, c'est clair. Merci. Ferme la Merci. boucle. Pour répondre très succinctement à ta question, Audrey, c'est à inventer. Si tu veux, je pourrais donner des exemples de quelques artistes que je connais, mais ce que je trouve génial, c'est de pouvoir l'inventer. Qu'on puisse nous-mêmes l'inventer et créer
Comment est-ce qu'on voit le futur de la Terre? Comment est-ce qu'on voit Gaïa s'associer avec les êtres humains? Comment est-ce qu'on voit vraiment cette nouvelle société émerger? Et comment est-ce qu'on va le mettre en matière, que ce soit par la peinture? Mon médium, c'est la peinture, mais ça peut être la sculpture ou d'autres. Voilà. Waouh, ça donne trop envie. Ah ouais, moi j'ai envie, là. Aussi. Du coup, on va faire une petite présentation rapidement de Dragon Dreaming et de la gestion du possible pour voilà, qu'on soit un peu tous au même niveau de compréhension. Du coup, bah, Julien, je te laisse parler Ouais. de Dragon Dreaming. Juste avant, j'ai envie de compléter nos propos et enfin, l'intention. Il y a un livre autour duquel on se réunit, Gabriel l'a lu il y a longtemps et Ludivinément, on est en train de finir de le lire. C'est Oui. un livre de Charles Eisenstein, Notre cœur, c'est qu'un monde plus beau est possible. Et ça parle de ce que Gabriel parle de passerelle, mais de la passerelle entre l'histoire, l'ancienne histoire de la séparation et l'histoire de la réunion et d'inventer une autre manière de vivre. Et voilà, il y a plein de mots chouettes et de concepts. Et on va parler aussi d'économie du don, qui fait partie un peu de cette nouvelle histoire aussi. Donc voilà, il y a plein d'échos et il y a quelque chose c'est une matière vivante pour moi et pour nous, voilà, qu'on va explorer ensemble. Et donc oui, pour vous présenter un peu Dragon Dreaming, je vais vous repartager mon écran. Donc ça va être assez succinct et puis on pourra vous envoyer par mail le replay d'un webinaire plus complet qui présente cette approche-là. C'est juste pour avoir quelques repères et certains en ont déjà. Dragon Dreaming, il y a trois facettes, même quatre. C'est d'abord une philosophie et une culture à part entière que je vais présenter succinctement après. C'est un modèle qui s'inspire du vivant sur comment fonctionne le vivant et tout projet. Qu'il soit individuel ou collectif, par un groupe d'humains, ben c'est un système vivant, il est régi par les mêmes lois, et notamment un processus circulaire. Voilà. Et l'idée, c'est de se couler dans les lois du vivant pour surfer avec plutôt que de faire contre, d'être un peu contre nature aussi. Et c'est aussi une méthode concrète avec des processus voilà, pour co-créer des projets. Et apprendre à collaborer en mode gagnant-gagnant et le tout joyeusement. Et le plaisir et la joie est au centre des projets avec Dragon Dreaming. Et donc, quelques mots sur d'où vient Dragon Dreaming. Et il y a un écho avec les questions qui sont à la source de cet événement qu'on vous présente là. Dragon Dreaming, ça vient d'Australie, ça nous vient de John Croft, qui vit donc dans le sud-ouest de l'Australie, et qui a mené un projet dans les années 90. Qui a coordonné un projet qui ne s'est pas forcément super bien passé, qui l'a interrogé sur mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des projets qui fonctionnent et d'autres pas, et particulièrement comment on peut se donner les chances que ces projets dont on a besoin pour ce changement de cap, cette nouvelle histoire à écrire, cette nouvelle civilisation, comment on se donne les chances qu'ils réussissent et comment on lève les blocages et comment on se donne des repères pour les fluidifier au maximum. Donc c'est vraiment les questions qui sont encore actuelles aujourd'hui. Voilà, parce qu'on voit bien qu'il ne suffit pas de décréter avant. On fait un projet coopératif, donc on va coopérer, donc ça va bien se passer, on va être en mode gagnant-gagnant, mais il y a tous nos démons et les conditionnements de la société qui sont là et qui sont à déconstruire, et besoin d'en construire des nouveaux aussi. Donc c'est un chemin. Donc à partir de cette expérience-là, et puis des sources d'inspiration qui étaient les siennes, il a conjugué différents auteurs, différentes. Théorie pour forger le modèle Dragon Dreaming. Donc ça, c'était la partie théorique. Et puis après son projet en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est rentré en Australie, il a rencontré sa femme Vivienne Edanta, qui est une activiste écologiste. Ensemble, ils ont créé la fondation Gaïa en Australie pour soutenir les projets au service de la Terre, du vivant. Et en tissant ça, ça a permis d'enrichir la théorie avec la pratique et aussi de s'inspirer de la culture des aborigènes australiens qui sont venus largement colorer et soutenir, et aussi d'autres peuples premiers,
ce qui forge la culture et la philosophie de Dragon Dreaming. Voilà, pour faire très très vite. Et quelques aspects sur la philosophie, sur le changement de cap. Il y a aujourd'hui plein d'auteurs qui en parlent, et le livre que j'ai montré tout à l'heure en parle aussi à sa manière. Il y a l'idée qu'on peut construire un monde qui vraiment crée une culture qui soutient la vie dans sa globalité, à tout point de vue, au niveau individuel, collectif et l'interdépendance de la nature, de l'environnement. Donc vraiment centré sur le vivant. Il y a l'importance de rêver et célébrer, c'est souvent des phases dans le cycle d'un projet qu'on minimise, voire qu'on oublie complètement. Et les aborigènes, la culture des aborigènes est là pour ancrer ces dimensions-là, en fait, s'autoriser à rêver régulièrement et à célébrer très régulièrement, c'est-à-dire de prendre ce temps de recul et de discernement et de sagesse, en fait, avant d'enchaîner sur une nouvelle action. Il y a l'idée de réconcilier nos différentes polarités. On va le voir avec le modèle, mais il y a aussi cerveau droit, cerveau gauche. Cette créativité, cette part artistique, cette manière de penser non linéaire, cette part sensible en nous, et la part rationnelle, logique, qui est bien structurée, et la pensée plus linéaire, tout ça, ça se conjugue en fait. C'est pas l'un au détriment de l'autre. Et cette méthode, ce modèle permet de réunir les deux. Et aussi, l'invitation à danser avec nos dragons, ces parts de nous, comme je le disais, qui sont pleines de vie, mais qui peuvent aussi être effrayées d'aller trop vite dans de la nouveauté. Voilà, on parle de créer des nouvelles choses et ça peut activer nos dragons intérieurs, qui peuvent aussi devenir des alliés en mettant leur force au service des projets. Et pour dire quelques mots sur le repère, sur ce qu'on appelle les trois piliers gagnant-gagnant-gagnant de Dragon Dreaming. Il y a le fil de l'évolution personnelle, que chaque projet permette l'épanouissement de chaque personne humaine au sein d'un projet. La création de communautés résilientes, comme si notre vie en dépendait. En fait, c'est d'acter le fait qu'en tant qu'humain, on est vulnérable et que seul, on peut pas faire grand-chose, quoi. Il y a vraiment cette notion de notre système social nous soutient à devenir qui on est et nous transmet plein de choses. Et le service à la Terre, que le projet, que tout ce qu'on fait soit au service de la Terre, du prendre soin et de sa régénération. Voilà, un autre livre qui est très inspirant, qui illustre tout ça de manière très belle et poétique en même temps, c'est Les Tisserands, je ne sais pas si vous voyez à mon écran, mais de Abdennour Bidar, qui parle de réparer le tissu déchiré du monde humain en tissant ce triple lien, le lien à soi, à son être profond, aux autres et à la terre. Voilà, donc ça c'est un des buts, c'est un but 3 en 1 de tout projet en mode Dragon Dreaming. Et le modèle sur lequel on se base, c'est un modèle qui part d'un double mouvement, un mouvement qui part de l'individu qui va vers l'extérieur. Donc c'est ce qu'on fait là, en fait. Ça fait quelques semaines, mois, qu'on discute avec Ludivine et Gabriel de ce projet-là. Et là, on vous le partage et puis on enregistre et ça va être partagé à bien plus de personnes encore. Et donc, Tu et on peux va avoir du activer un tout feedback. petit peu. Comment? Non, je vais pas présenter. Tu peux activer un tout petit peu. Oui. Accélère. Merci. Ça marche. Bref, et donc voilà, il y a ce mouvement d'offrir notre projet et nos envies, nos rêves vers l'extérieur, et puis de passer de la théorie à la pratique à un moment donné. Et ça forge quatre phases, la phase de rêve, la phase de planification pour voir s'il y a un chemin entre le rêve et la réalité, l'étape de réalisation avec l'action, et l'étape de célébration où il y a un retour à soi. Il y a un temps de réflexivité, de voir comment on se transforme en vivant tout au long d'un projet. Et avant de repartir pour un nouveau cycle. Et tout ça tourne autour de la joie, du plaisir et de l'empowerment, du développement de qui on est.
Et un outil que probablement on utilisera, enfin, on expérimentera dans le Summer Camp, c'est la roue de déblocage. Donc, il y a ces 16 étapes qui composent le modèle de Dragon Dreaming. Et ça permet d'aller sentir en fait corporellement où est bloquée l'énergie dans un projet et trouver des leviers. Voilà, c'est un outil parmi d'autres, mais c'est juste pour illustrer un peu la panoplie à Dragon Dreaming comme support pour danser avec nos dragons. Voilà, je passe le micro à Gabriel. Non, ça va. Je peux parler sans micro. Quel lien je fais là tout de suite avec le rêve du dragon? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Si on n'a pas la capacité de se dire, nous, êtres humains, avec quoi est-ce qu'on pense? C'est-à-dire, est-ce qu'on pense avec un matériel tout préparé qui nous est issu de nos parents, de l'école? Et dans ce cas, nous faisons que répéter le passé dans le présent. Dans ce cas-là, il est peu probable de pouvoir créer une nouvelle culture. Et ce que pose la gestion du possible, c'est est-ce qu'il y existe des espaces? Est-ce que nous pouvons créer ces espaces de transformation pour changer les outils avec lesquels nous pensons? Et reconnecter à son cœur, en fait, nos véritables pensées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments, je ne sais pas si vous en avez, si vous, dans votre vie, vous avez des moments où vous dites bah, je dois faire ça. Et vous mettez la pression pour arriver à un objectif. Et forcément, des fois, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont ça? Moi, j'ai ça, de temps en temps. Vous voulez lever la main si c'est le cas pour vous? Donc voilà, il y a quelques personnes aussi. Donc l'idée, c'est de pouvoir percevoir avec ces outils j'ai envie de dire d'ingénierie intérieure, hein, de permaculture intérieure, de se saisir de nouveaux outils et de nouvelles ressources qui sont souvent situées dans les sentiments conscients, c'est-à-dire la peur, la colère, la tristesse et la joie, comme palette de base pour accéder à davantage de conscience et de présence à l'instant présent. Comme je disais, si on se réunit ensemble et que tout le monde est pris par le passé, pour une raison ou une autre, eh ben, il est peu probable que l'on puisse créer un futur. Donc la question, elle est vraiment systémique, intérieure et collective. Et elle repose sur des pratiques de coaching. Moi, à l'heure actuelle, je suis coach. J'accompagne des personnes non seulement en groupe, mais aussi en individuel. Et peut-être que celles et ceux qui font partie de l'équipe du possible peuvent d'ailleurs compléter ce que je dis, s'il manque des choses. Est-ce que ça fait écho ou est-ce que vous avez une autre manière de le dire? Parce que je remarque que ma façon en tout cas de présenter les choses, ça risque d'être plus interactif là. J'ai envie de vous solliciter là-dedans. Moi, j'ai envie de partager le fait, enfin, ce que ça m'a apporté de nouveau dans ma vie, c'est le fait de parler de l'inconnu et d'être OK avec juste ce qui émane de moi, en fait. Et bah, l'exemple, c'est là, le webinaire. C'est que j'aurais préparé un webinaire comme ça l'année dernière, j'aurais tout timé, j'aurais écrit qu'est-ce que je vais dire, à quel moment, pourquoi. Et que maintenant, je laisse plus venir de façon intuitive, quoi, ce qui est juste. Et que j'ai appris à faire que finalement, si on se connecte à nos sentiments et à notre intention de pourquoi on est là, et ben, les mots, ils viennent tout seuls. Il n'y a pas besoin de les mentaliser, quoi. Ouais, c'est ça que j'ai envie de partager. Une des pratiques que j'ai, qu'on a à cœur de transmettre aussi et qu'on fait parfois ensemble, c'est un menu des possibilités. Et un menu des possibilités, ça consiste à rentrer intimement en connexion avec l'autre, créer ce lien de connexion intime, sensible.
vraie avec l'autre personne et de partager soit les histoires qu'on se raconte à propos de la personne qu'on en a en face de nous pour avoir un feedback et vérifier si c'est réel, et un petit peu démonter, démystifier les histoires qu'on peut se raconter les uns à propos des autres. Parce qu'une des choses qui est vraiment importante et au cœur de la gestion du possible, c'est que l'être humain est un être fait d'histoires, de récits, de... C'est une espèce qui est incroyable pour se raconter des histoires sur le réel, et donc qu'elle ait cette capacité à revenir vraiment alignée sur le réel. Voilà. Et donc l'une des pratiques, par exemple, j'en nomme qu'une, bah là c'est j'ai une histoire à propos de toi, c'est que tu sais faire qu'un webinaire en écrivant les choses à l'avance. Et là je peux vérifier avec Ludivine si mon histoire Non. est vraie. Voilà. Et elle peut me dire que c'est pas vrai et qu'elle n'a pas fait ainsi. Voilà. Et ça permet de s'ajuster comme ça. Donc en fait, c'est une dynamique systémique d'auto-ajustement où les uns les autres, on va s'ajuster en groupe, histoire de d'être plus présent et plus dans le réel. Voilà. C'est la façon peut-être la plus courte que j'aurais de le dire. Il y aurait tellement de choses à dire, donc c'est un monde en soi. On appelle ça un univers de jeu. Voilà. Parce qu'on considère que chaque culture est un peu un jeu dans lequel on joue. Donc le patriarcat est un jeu. Le monde industriel est un jeu, l'art contemporain est un jeu, etc. Et moi, ce que j'invite à faire ici dans cette summer camp, bah, c'est de jouer un jeu conscient pour créer une nouvelle culture. Voilà. N'est-ce pas? Alors du coup, on va vous présenter un petit peu les modalités pratico-pratiques. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire remonter peut-être de manière spontanée si jamais vous voulez interrompre. Oui, ouais. Voilà, plutôt que ce Après, on soit. aura un moment de questions-réponses, mais c'est aussi possible Ouais. de nous interrompre sur le vif, il n'y a pas de souci. Du coup, bah, le lieu donc on a trouvé, après moult péripéties, on a enfin trouvé un lieu qui est à côté de Bagnères, qui s'appelle le Mélilot. Donc, c'est à 10 minutes de Bagnères. Donc, on vous a fait une petite carte de situation pour les gens qui viennent de plus loin. Donc, on est à peu près à mi-chemin entre l'océan et Toulouse, et à peu près au milieu des Pyrénées, quoi, d'est en ouest. C'est un lieu associatif qui est animé par, enfin, par une famille, même, j'ai envie de dire, un couple, mais une famille. Félix, qui est principalement animateur de camps pour les jeunes via une autre structure qui est pas loin aussi. Et Élise, qui utilise le lieu pour faire des semences potagères paysannes. Donc, elle produit des graines et qu'elle vend sur les marchés. Et du coup, ce lieu-là est à disposition en location pour ce genre de stage qu'on veut faire. Et on a eu l'occasion avec Gabriel plusieurs fois d'animer des ateliers là-bas. Il y a aussi des ateliers de danse auxquels on participe, de la biodanza, de la danse libre. Il se passe plein de choses là-bas. Et c'est vraiment un lieu qui a une super énergie, enfin, en tout cas où on aime bien aller. Donc on a mis quelques photos, voilà, de la maison. C'est là, donc là, en haut à gauche, c'est la maison qui est utilisée pour les collectifs. Et après, là, il n'y a pas de photo, mais il y a un extérieur qui est immense, en fait, le terrain. Déjà, il y a tous les jardins d'hélices qui sont autour, et en plein été, c'est super beau. Il y a plein d'espaces qu'on peut utiliser à l'extérieur. Et en fait, le terrain, il descend en contrebas. Ils ont créé un sentier de promenade qui va jusqu'à une petite rivière qui passe. On était allé visiter la dernière fois. Ils ont créé aussi des espaces. Un endroit, il y a un cercle avec plein de bancs où on pourrait faire des veillées en extérieur. Enfin voilà, il y a plein d'espaces au bord de la rivière et tout. C'est vraiment très très bien aménagé. Un super espace d'exploration avec la vue sur le pic du Midi de Bigorre. Voilà pour le lieu. Bah, le programme, il est à tisser ensemble.
Il y a évidemment des moments, il y a évidemment ce moment d'accueil qui va être le premier jour, et puis surtout comment est-ce qu'on va commencer à tisser cette culture commune, c'est-à-dire ben, nos règles, nos accords communs, comment est-ce qu'on met en place la logistique, qui veut s'inscrire à tel ou tel repas, qui veut être chef cuisinier, qui veut être commis, qui veut aller faire les courses, etc. Enfin, bref, toute cette vie de village qui va commencer à se tisser dès le début et se construire, se co-construire. Et donc ça va être essentiellement le premier jour, et après, cheminer avec les outils Dragon Dreaming et passer les différentes étapes de rêve, planification, action et célébration. Et entremêler de vos propositions. Donc, vos propositions, que ce soit en termes de projet individuel ou projet collectif que vous portez ou qui pourrait naître pendant ce moment. Donc, voilà. Et faire advenir aussi tous les ateliers qui seront nécessaires aussi, comme je le disais, sur le plan humain, individuel, gestion des émotions, approches relationnelles diverses, et puis contact avec la nature, bien sûr, puisque ça fait partie des trois piliers de Dragon Dreaming. Et j'ai envie de rajouter du coup qu'il y a l'idée de co-créer un événement pour le samedi pour pouvoir communiquer au public et on va dire au territoire le fruit de nos recherches et de nos découvertes. Donc si tu veux afficher le programme, Julien. Oui, parce qu'on a quand même posé quelques bases. Mais tout ça, Oui, c'est ça peut s'ajuster. mais bon, voilà, l'idée, c'est d'avoir. On n'a pas du tout réfléchi à quelle forme aura cette journée de transmission. Mais on avait en tout cas cette idée-là de pouvoir préparer une journée de transmission avec. On verra ce qu'il y aura. Voilà, on peut dire que c'est un peu une structure pour co-construire ce qu'on a mis en place. Voilà. Il y a cette énergie-là de vraiment aller explorer les trois piliers que Julien vous a présentés tout à l'heure, donc l'évolution personnelle, la création de communautés résilientes et le service à la terre. Et d'aller vraiment voir qu'est-ce que ça représente pour nous et comment on peut vraiment s'investir dans ces différents pôles, quoi. Et un espace de garage à projet, pour venir débloquer un projet et en faire aussi un cas d'étude, mais repartir avec des clés, voilà, pour remettre un projet qui serait un peu bloqué, sur les rails. Voilà. Et donc, en fait, tout ça, l'idée, c'est qu'il y ait des temps fil rouge, enfin, sur l'après-midi, là, qu'il y ait des espaces et il pourrait y avoir d'autres types d'espaces pour que chacun, chacune puisse proposer des ateliers. Et voilà. Et le matin, mais bon, après, ça peut s'inverser, mais en tout cas, qu'il y ait un temps chaque jour sur la co-création d'un projet en suivant la trame de Dragon Dreaming pour le samedi. Et l'idée, c'est que ce projet soit au service aussi du lieu, enfin, de l'écosystème local, enfin, qui a un ancrage aussi. Il y avait ce rêve avec Ludivine qu'on a de pouvoir tisser des liens aussi au-delà du territoire. Je peux le dire maintenant parce que c'est aussi un rêve qu'on a et qu'on porte sur le long terme, c'est de créer une maison passerelle pour une nouvelle culture sur le long terme. Donc ça c'est ce Summer Camp, c'est aussi une étape pour ça. Voilà, donc là je fais un peu du pré-rêve puisque je partage déjà un de mes Du rêves. teaser. Un teaser, ouais, c'est ça. Et C'est donc bien. voilà. Je voulais aussi partager ça. Donc ça fera partie d'un projet collectif, par exemple. Si vous en avez, vous pouvez les partager maintenant aussi, hein. S'il y a déjà des rêves que vous voulez nommer et poser, j'ai envie de dire, c'est presque déjà, c'est déjà interactif. On pourrait déjà les inscrire. Ça me donne envie de partager. En fait, c'est exactement ce que ça fait 11 ans que je cherche à construire, quoi. En gros, c'est vraiment de mettre à disposition de la terre, des espaces, des ressources, des outils pour contribuer à ce que chacun, depuis qui il est et ses besoins, il puisse venir se nourrir et voilà, faire par rapport à soi, mais dans un cadre qui prenne soin de la terre et du tout. Et du coup, la notion un peu centrale que j'ai, c'est la notion d'épanouissement.
Et là, cette année, il faut vraiment que je me mette à passer cette étape où j'ai envie de venir. Ça fait pour moi, en fait, pour s'épanouir. Mais ça, c'est ma vision et je suis justement, c'est l'ouverture que j'ai envie d'avoir là, c'est de venir questionner ça en me confrontant entre guillemets aux réalités des autres. C'est que pour s'épanouir, on a une petite liste de besoins et que s'il y a des besoins qui sont pas comblés, ben on pourra pas pleinement s'épanouir. Et du coup, cette année, j'ai vraiment envie de venir à la rencontre des humains. Donc, je pensais passer par une enquête sociale. Pour venir questionner de toi, de quoi tu as besoin pour t'épanouir. Et du coup, ça peut être un tissage ensemble, un atelier sous une forme ou une autre. Ou, parce que pour moi, du coup, en fait, on a tous les mêmes besoins, mais on va avoir des temps différents pour venir les remplir. Et en fonction des manques qu'on a eu par rapport à ces besoins, on a des besoins d'intensité différente pour les nourrir. Mais c'est ma vision, peut-être que je me trompe, mais voilà. Ça peut être une porte, une pièce à apporter à ce grand tout. Du coup, ça me fait, voilà. En tout cas, on a l'air d'être bien alignés, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup pour cette belle ouverture. Ouais, génial. C'est super. Vas-y, Julien. On a Tu prévu de avant, enfin là, on va vous présenter les quelques autres modalités pratiques et puis après un petit temps de partage des rêves de comment on se projette personnellement dans ce projet-là si on devait y participer. Et donc voilà, vous pouvez déjà commencer à laisser venir toutes les envies qui montent en lien avec tout ce qu'on présente là. Ouais, si vous avez d'autres envies de partager, n'hésitez pas aussi maintenant, juste avant qu'on propose le modèle économique, pour rendre les choses plus interactives. Je suis très heureux de ta participation, Paloma, parce que c'est vraiment un sujet qu'on traite dans la gestion du possible. C'est la différence entre besoin et nécessité. Et on dit que la nécessité émerge du moment présent et le besoin du passé. Et donc, il y a vraiment cette distinction entre quelque chose qui vient pour être guéri, un besoin, tandis que la nécessité vient dans l'instant présent pour être agi. Et donc, si on mélange besoin et nécessité, et ben, entre guillemets, on se fourvoie puisqu'on essaie de guérir quelque chose en essayant d'agir avec et ça ne marche pas. Donc, voilà, c'était pour donner un petit peu de nourriture là, à ce que tu ajoutais. Merci beaucoup pour cette nuance que je n'avais pas et que je trouve super précieuse. On enchaîne. Y a d'autres partages? Ou déchaîne-toi plutôt. Déchaîne-toi. Le modèle économique, il faut que ce soit. Je sais que l'économie, c'est un gros morceau. J'ai juste envie de faire une petite parallèle avec ce changement de culture avec l'économie. C'est que pendant longtemps, moi, ça fait déjà maintenant 1 an que j'organise des money clubs, donc des espaces dans lesquels les gens viennent transformer leur rapport à l'argent. Et j'ai l'impression que l'argent est toujours un petit peu un gros mot quand on considère de passer à une culture ancienne, à une culture nouvelle. Du coup, j'ai envie de faire la part belle à ce qu'on a commencé à co-créer ensemble avec tous les deux et te donner la parole là-dessus, Julien, Yes, merci. partager ça. Yes. Du coup, pour se projeter un peu plus concrètement avant de parler d'argent, c'est pas non plus le avec ce sujet-là. En termes d'hébergement, on peut être hébergé en dortoir, dans la maison ou en tente. Et là, le terrain est très vaste. Le lieu peut accueillir au total jusqu'à 40 personnes. On vise plutôt autour de 20-30 max, à voir. Autour d'une vingtaine de personnes, a priori. Pour la restauration, ce sera autogéré. Donc, Gabriel a déjà esquissé ses rôles, Ouais. voilà, qui seront à prendre. Tu parlais de chef cuisinier. Voilà. Ouais, Par exemple, pour tous les repas, évidemment, ça tournera, mais on pourra aussi jouer à faire la c'est cuisine ça. ensemble. L'idée, c'est qu'il y ait une personne qui prenne, enfin, à chaque fois, des personnes qui prennent les responsabilités pour un rôle clé. Donc, c'est peut-être pas l'autogestion comme on l'entend parfois d'une manière globale ou générale. L'idée, c'est vraiment
de s'orienter dans cette autogestion et de remettre la responsabilité au centre. Donc, Oui, c'est quelque chose de vraiment fluide, quoi. avec de la structure. C'est ça. Sur la question de l'accueil des enfants, la question reste ouverte. Il n'y a rien d'arrêté ou de tranché. Ça va dépendre aussi des besoins des personnes qui viennent et puis avec quels enfants, quels âges et Les voilà, nécessités. combien et quelles nécessités. Voilà. Donc, ça s'ajustera au fur et à mesure. Et l'idée, c'est de prendre un temps en individuel avec chaque personne, avec vous, enfin, qui a envie de rejoindre l'aventure et de s'inscrire au projet pour voir un peu plus en détail les rêves et les nécessités et les intentions de chacun, chacune pour continuer à co-créer. Voilà. Et voilà. Vous dites peut-être à partir de 4-5 ans, co-responsabilité des parents, mais voilà, tout ça, ça va dépendre en fait. De chacun, chacune. Je ne sais pas si je peux glisser un mot là ou si j'attends qu'on soit Vas-y, après. vas-y, spontané. Sur la part des enfants, c'est un des piliers que je porte pour la mise en place de mon rêve. C'est que les enfants soient à horizontalité avec les adultes. Et en fait, c'est des pépites de trésor et d'arriver à les inclure dans tout ce qu'on peut faire. Je pense qu'on va gagner un pouvoir qu'on n'imagine pas du tout. Et voilà, c'est juste pour ouvrir sur le fait que ça peut être vraiment très très puissant de les inclure pleinement dans tout ce qu'on va faire, à leur libre goût, etc. quoi, mais voilà. Ouais, merci, ça fait partie des discussions qu'on a eues là juste avant aussi sur bah moi je partage complètement ce que tu dis. Voilà, à voir comment on gère tout ça. Yes. Bon, alors pour parler de ce sujet, de l'argent, on avait envie d'introduire ça avec une définition sur l'économie du don de Charles Eisenstein. Et donc, c'est pas le seul à parler d'économie de don. Il y a plusieurs personnes là, qui m'inspirent, mais il y a vraiment ce passage de. C'est vraiment un changement de paradigme, en fait. Et je vois le chat en même temps. Donc, bah, je vous lis cette citation, et puis après, on en discutera. Donc, il dit, c'est une idée très ancienne que l'univers fonctionne selon les principes du don, que la vie humaine fonctionne selon les principes du don, et qu'en fait, le but de notre existence, notre raison d'être, est de donner. Que chacun a un don important et significatif, et peut-être même unique et essentiel. Cela est très certainement vrai dans un écosystème où chaque espèce a une fonction vitale. Et sans cette fonction, sans ce don qu'elle fait à l'écosystème, tout le monde serait un peu plus pauvre. Le système dans son ensemble serait moins robuste. Donc il y a vraiment cette invitation à se connecter à ce qu'on a envie d'offrir et vraiment au-delà de l'argent. Enfin, l'argent, c'est un aspect, c'est une forme d'énergie, mais il y a plein d'autres choses. Il y a tous nos talents, nos compétences, nos idées, nos rêves, voilà, qui sont là à partager. Donc, il y a vraiment cette idée d'inclure tout ça et que chacun puisse contribuer sur le fond et sur la forme de cet événement qu'on co-crée. Dire aussi nos valeurs sont une forme de monnaie d'échange. C'est-à-dire la manière dont on incarne nos valeurs et dont on les déploie dans l'espace et qu'on les met au service de nos projets. Absolument. Et donc là, l'idée, c'est de te donner quelques repères sur comment on co-crée les ressources pour cet événement, en fait. Et du coup, les principes qu'on a posés jusque-là, c'est donc sur le modèle économique de l'événement. C'est la volonté d'inclure toutes les personnes intéressées pour y participer, indépendamment de la question de l'argent. De faire confiance qu'on trouvera les ressources pour que tout le monde s'y retrouve et inclure tout le monde. Il y a l'envie d'expérimenter un processus créé par John Croft, donc en lien avec le rêve du dragon, qui s'appelle la levée de fonds charismatique, ou en anglais Empowered Fundraising. Et l'idée, c'est de couvrir à minima 50% du budget. Voilà, pour alléger la contribution moyenne de chaque personne.
Et pour dire quelques mots sur ce processus-là, qui est vraiment basé sur l'économie du don, c'est l'idée de créer une communauté de soutien du projet. Donc ça peut être en termes de compétences autant que d'argent. Et l'idée, c'est de créer des liens personnels de un à un. Donc c'est différent du crowdfunding où on demande un peu à la terre entière de soutenir un projet. Là, l'idée, c'est que chaque personne engagée dans ce projet, donc il y a nous trois et puis vous, si vous avez envie de jouer à ce jeu-là, de lister une dizaine de personnes à qui aller demander du soutien pour le projet, y compris financier, et d'aller les rencontrer individuellement et de leur expliquer le projet, et voilà le rêve, le programme du projet, et de voir si ça résonne. Et de leur demander une contribution en argent en lien avec ce qu'on suppose être ce qu'on appelle le point d'équilibre. Le point d'équilibre qui est très subjectif, c'est l'équilibre entre ce qui correspond à de la petite monnaie, mon fonds de poche, et que si je le donne, ça ne va rien changer dans ma vie. Et l'autre extrême, c'est si je donne ce montant-là, ça va me mettre en insécurité, en péril, parce que je ne vais peut-être plus pouvoir assumer des besoins essentiels. Et donc, il y a un point entre ces deux polarités-là. Il y a l'incitation à contribuer à cette hauteur-là. Et en se disant que peu importe le point d'équilibre de telle ou telle personne, il peut être très peu élevé ou très, très élevé selon à qui on s'adresse. Et qu'en fait, chaque contribution a la même valeur dans ce cadre-là. Voilà, et il y a tout un processus de dialogue en fait avec la personne à qui on demande, et puis d'expliquer aussi comment la personne vit l'expérience, indépendamment de sa question, de sa réponse. Voilà, donc c'est une manière aussi de se challenger personnellement sur notre rapport à l'argent et de faire des demandes dans ce contexte-là. Et en même temps, il y a quelque chose qui sonne juste, en tout cas moi qui m'enthousiasme à expérimenter. Et en tout cas, c'est un processus qui a déjà été expérimenté plein de fois sur d'autres projets et qui donne des résultats assez surprenants, d'après John Croft. Voilà. Il y a de la documentation sur ça, je ne vais pas développer plus, mais voilà, pour donner un peu l'idée. Ouais, j'ai lu le document en anglais hier soir, en partie. C'est juste incroyable ce qu'il raconte sur les levées de fonds pour une ONG qui n'existait pas et qu'ils ont démarré un projet de A à Z et qu'avec quelques personnes, juste en partageant de manière intime et vraiment depuis leur trip, quoi, c'était incroyable les effets et la réalisation des projets, quoi. Yes, Juste pour merci. faire un point, un timing, il reste 20 minutes. Yes, merci. J'accélère un peu alors. Donc, sur le modèle économique de l'événement, donc l'idée, c'est qu'il y ait cette levée de fonds, qui est aussi une contribution des participants, participantes, que chacun puisse donner librement et en conscience, en euros, en plus de donner de soi, de ses talents, de ses valeurs, etc. Voilà, en conscience de la totalité du budget et des ressources qu'on a, voilà, et de ce qu'on a reçu, etc. Quelques repères financiers, la location du lieu, qui n'est pas excessive, environ 580 euros pour les 9 jours. Il y a la volonté aussi qu'on a tous les trois, enfin, on s'est posé la question de notre écologie personnelle en s'engageant dans ce projet, en sachant que ce n'est pas la première fois qu'on organise un événement d'envergure. Et de se dire, il y a la conscience du temps qu'on y passe. Et on est tous les trois à notre compte aussi. Et du coup, c'est du temps qu'on ne passe pas à développer d'autres activités. Et donc, on a estimé une rémunération, enfin, j'ai même parlé plutôt d'indemnisation, parce que ce n'est pas la rémunération de tout le temps qu'on y passe, mais c'est se donner une base, un socle qui fait que voilà, c'est dans notre équilibre perso. Professionnel en termes d'activité, ça, voilà, ça sonne équilibré, quoi, voilà. Et du coup, ça fait un budget de 9 000 euros au total, qu'on facturait via nos activités pro, donc c'est pas ce qui va directement sur notre poche, c'est à peu près 3 fois moins qui va sur notre compte en banque, mais voilà, c'est en lien avec nos activités pro.
Et voilà, et l'hébergement et la restauration, c'est 20 euros par jour et par personne. Voilà. C'est pareil, c'est une moyenne, il y a des conditions, mais en gros, c'est ça le budget. Et il y a aussi la volonté, c'est pour ça aussi qu'on veut faire une levée de fonds, c'est de partager des retours d'expérience de ce qu'on va vivre pendant ce camp, donc pendant et après, en produisant des articles, des vidéos, des podcasts, un jeu de cartes aussi que vous êtes en train de co-créer, Gabriel et Ludivine. Voilà, ça reste à écrire en fait, mais plus il y aura de moyens, plus on pourra partager bien au-delà de ce qu'on va vivre pendant la semaine en fait. Donc c'est aussi l'idée de soutenir tout ça. Est-ce que vous voulez compléter, Gabriel et Ludivine? Bon, t'as tout dit, moi j'ai envie d'entendre les autres. Moi, j'avais juste ouais, pour dire que c'est un peu un pas encore d'une autre forme de maison passerelle que j'avais, voilà, différente de celle que j'avais vécue l'année dernière. Et ouais, moi que je serais très heureux effectivement que la création de contenu puisse essaimer d'autres lieux et permettre d'autres événements comme celui-ci ailleurs. Voilà. C'est ce que j'ai aussi à cœur. Et puis Vous avez des idéalement, alors questions, des moi j'ai. réactions? Comment? Vas-y. Non, et puis j'écris aussi beaucoup en ce moment et je vais voir de quelle manière je songe à l'idée d'écrire un livre, hein, que j'ai déjà démarré à écrire, mais ce serait l'occasion aussi d'en parler et de le promouvoir. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a des questions, des réactions sur ces aspects-là, tout ce qu'on a dit jusque-là? Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement du tissage, mais sous sa forme d'économie solidaire et circulaire. Oui. Et on peut peut-être faire un tissage en coaction, c'est-à-dire qu'on rentre, on est plusieurs, mais en étant une flamme, quoi, du coup, pour pouvoir mener ce rêve là. Et voilà, ça peut être une porte d'entrée intéressante. Vraiment, on peut en reparler avec plaisir. Ça marche. Ok. Je sais pas, juste la diapositive, je sais plus ce qu'on avait prévu après. Ouais, bon, peut-être Moi, que ça fait de on rêve. avait prévu de répondre à vos questions si vous en avez et de récolter vos rêves si vous avez des rêves à rajouter. Ou des choses qui émergent par rapport à ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a besoin de plus de repères ou de clarté sur ce qu'on a exposé, enfin voilà, pour vous projeter sur cette grande semaine au mois d'août? Alors moi, je me demande juste du coup si vous avez des besoins ou des envies qu'on se refasse des temps pour co-créer ça avant le jour J ou la semaine S du coup ou pas. Comment vous voyez les choses là-dessus? L'idée, c'était vraiment de vous proposer à ceux qui ont l'élan de co-créer avec nous, en fait, de vraiment participer en amont et de ceux qui ont juste envie de venir la semaine et de pas participer en amont, voilà, c'est complètement OK aussi. Mais bon, ouais, y a aussi, voilà, cette énergie de potentiellement grossir notre équipe. Jusque-là, on s'est réunis à peu près, on a fait une visio toutes les 2 3 semaines. On va caler le rythme ensemble. Enfin, là, c'est déjà un gros morceau que de caler tout ça, de trouver le lieu, les dates, etc. Après, donc ouais, bienvenue dans l'équipe, si vous en avez l'envie. Ça peut être aussi juste plutôt sur l'aspect levée de fonds charismatique, si vous avez envie d'expérimenter. Mais ce qui nécessite d'être quand même bien au fait du projet pour pouvoir en parler. Mais bon, vous avez déjà l'essentiel ici. Et évidemment, après, il y aura des tâches plus ponctuelles aussi à l'approche de l'événement qu'on pourra aussi distribuer. Donc, voilà. Et c'est l'idée d'échanger individuellement avec toi, avec vous, voilà, pour voir aussi quelle implication vous avez envie, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter et de contribuer.
Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de partir. Tu voulais guider un petit temps de centrage avant. Je lis la question, puis après, on peut laisser résonner. Je te laisserai la main, Gabriel, si tu veux, pour Okay. voir ce qui vient en lien avec cette question générative. Qu'est-ce que j'aimerais vivre avant, pendant et après ce premier summer camp pour que ça fasse waouh dans mon cœur? Et voilà, donc ça va être aussi l'occasion de d'atterrir un peu de tout ce qu'on a posé là. Et puis après, on fera un petit tour de clôture. OK. Pardon, t'as lu la question, j'ai pas Oui, il entendu. a lu la question. Ok. Vas-y. Tu voulais guider un petit temps de centrage, Gabriel? Ah. Ou juste on lance le tour comme ça, c'est ok. Ouais. Ben, moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est tout simplement à vous laisser inspirer, à inspirer, à faire une profonde inspiration par le nez et à laisser descendre l'expire dans le ventre, dans le centre du corps, dans le centre physique. Et à partir de là, comme si vous déclariez une corde qui vous ancrait à la terre, à Gaïa, au champ énergétique de la terre. Je vous invite aussi à ressentir votre bulle d'espace personnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui crée votre culture, qu'est-ce qui est vraiment vous, qu'est-ce qui est vraiment toi. Et à sentir cet espace autour de toi. Et à accueillir s'il y a des sentiments qui viennent. Quels sont-ils? Peut-être de les nommer si tu as envie de les nommer. Et de commencer par ça. Et mon invitation, et ça va être un petit jeu, ça va être de, si vous avez le cœur qui palpite un peu, c'est peut-être que c'est le moment de parler. Et je vous invite à parler sans réfléchir à ce que vous allez dire. C'est un peu comme parler depuis l'inconnu. Si vous avez une pensée circulaire qui traîne dans votre tête, pareil, je vous invite à parler et à faire cette expérience. Bienvenue dans cet espace de partage de rêves. Moi, j'ai envie de parler. Vous m'entendez là, voilà. Parce Oui. qu'effectivement, ça palpite. C'est par rapport à la maladie. Voilà. C'est-à-dire, je suis très malade, je suis par moments très fatiguée. Et je me dis, dans toutes les belles choses que j'ai entendues là, quelle place ça peut avoir quelqu'un comme moi? En quoi ça peut déranger, en quoi ça peut amener des choses aussi. C'est-à-dire que oui, j'ai des besoins particuliers, je suis très fatiguée par moments. Et ça, on est beaucoup oubliés, les gens très malades. Soit on nous dit que c'est pour des raisons, on nous met des croyances, on nous capte nos propres croyances. Donc c'est ça qui est que j'ai envie de dire par rapport à tout ce que j'ai entendu. Ouais. Merci, Prendre soin de la Audrey. terre, prendre soin des gens malades, prendre soin, voilà, quel lien il peut y avoir entre, voilà, ces maladies environnementales. Ça qui me donnait, ouais. Moi, ça me donnerait, là, ce que tu dis, ça me donnerait envie de partager justement ton vécu, d'avoir un espace pour partager ton vécu. À ce niveau-là. Et par rapport à tes besoins, ce qui me vient, ça serait ben, qu'on en discute. Même si ben, moi, je connais un petit peu tes besoins, mais voilà, qu'on prenne vraiment le temps d'en discuter, de lister c'est quoi tes besoins et dans quelle mesure on peut en prendre soin dans un espace comme ça, quoi. C'est ça Ouais, qui me vient. ouais, ouais. Et ce qui me vient au-delà de ça, c'est en quoi ça peut amener quelque chose. Parce que je me rends compte que les amis ou les gens qui partagent ou qui me soutiennent par un moment, quelqu'un dans mon état peut aussi amener quelque chose et non pas seulement être
parce qu'on a beaucoup séparé les vieux, les gens malades dans cette société. Et c'est un sujet, je trouve, dont on parle peu, même dans tout ce qui est nouveau monde, tout ça. Alors que oui, on a besoin de partage pour guérir aussi, on a besoin de vivre. Et c'est dans ce sens-là aussi, ça n'empêche pas ce que tu dis, mais que ça me venait, comment ça peut être inclus de manière joyeuse, entre guillemets, enfin voilà, de manière vraiment inclusive et faire partie. Est-ce que toi, Audrey, tu as un élément de réponse à ça? Parce que j'ai l'impression que quand tu dis qu'est-ce que ça peut amener, est-ce que tu saurais dire ce que ça peut amener? Ben, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, je suis écartée parce que c'est trop dérangeant. Et justement, ça me demande du courage, ça m'émeut de parler là, parce que j'ai pas de tout le monde, heureusement, sinon je serais déjà plus là. Et je pense que, pour un exemple, que passer 1 heure avec quelqu'un comme moi à un moment où je suis pas bien, ça peut amener quelque chose à la personne aussi, parce que c'est ce qu'on me renvoie dans. Parce qu'à force d'enlever les gens fragiles, d'enlever les gens malades, d'enlever ça de notre monde, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Ça fait partie de la vie, la maladie. Et justement, quand on dit il faut tout un village, on parle beaucoup des enfants, mais il faut aussi tout un village quelque part pour que quelqu'un dans mon état arrive à vivre. Et voilà, c'est dans ce sens-là que ça me venait. Pas amener une grande chose, mais plutôt de le prendre comme quelque chose qui peut être intéressant que comme quelque chose qui va être, voilà, c'est ça que je veux dire, voilà. Moi, j'entends une qualité d'authenticité dans ce que tu partages et aussi de lien cœur à cœur, c'est-à-dire une connexion empathique, d'empathie. Moi, ce qui me vient aussi, c'est le fait d'apprendre à prendre soin. Je sais pas, c'est le truc qui me vient comme ça, mais d'observer notre façon de prendre soin des autres, quoi. Est-ce qu'on prend soin des autres parce qu'on veut leur trouver des solutions et les sauver? Ou est-ce qu'on est juste là pour les soutenir quand il y a des moments difficiles dans la vie, et de questionner ça et d'observer comment on se comporte dans ces moments-là, quoi. En France, il y a des millions de personnes qui sont isolées, en fait. Voilà, c'est une réalité. Et elles sont isolées. C'était pas le cas dans les sociétés plus. Donc c'est voilà. Je lance ce paquet dans ce sens-là. Et aussi, sinon, Dis sur ce moi, je que tu chante dis, aussi quand je Ludivine, suis parce pas. que... Ah, Je veux juste c'était... rajouter une dernière chose. Je ne suis pas que malade, je chante, j'ai plein de. Enfin, j'adore les lieux collectifs, j'ai déjà vécu tout ça. Donc, il y a plein d'autres choses, mais j'avais envie de mettre le point sur ça. On va avoir encore 3 minutes pour partager. Oui, Mais merci en tout cas pour l'apport. Paloma, peut-être tu Merci. voulais dire quelque chose et puis on va arriver vers la fin. Ouais, mais je sais pas, peut-être qu'on peut laisser la place à d'autres sujets, mais en fait là-dessus, c'est rigolo parce que c'est exactement vers là où j'allais partir, Ludivine, ce que tu as partagé, la deuxième partie, dans le sens où je suis aussi avec une maladie auto-immune chronique qui peut être bien lourde et que j'apprends à transmuter et que j'ai aussi accompagné un cancer très très lourd avec mon compagnon canin qui était vraiment la personne la plus proche de moi en fait. Et du coup, je connais ça. Je sais la préciosité de tout ce que ça amène, de à la fois ce travail incroyable de pouvoir rester présent à soi tout en accompagnant l'autre et de transmuter aussi. Et enfin, voilà, en fait, c'est nos parts d'ombre aussi à venir accompagner. Et pour moi, ça a vraiment toute sa place. Et effectivement, le questionnement de est-ce qu'on vient depuis le rôle de sauveur? Ou enfin, comment trouver les équilibres avec tout ça, mais en tout cas, c'est super précieux à amener, quoi, je trouve. Donc, merci beaucoup. Moi, je vois que je n'ai pas du tout pris la parole et je la prends quand même, même si c'est la fin, juste pour sortir de ma croyance que je n'arrive pas à parler en groupe. Je sais qu'en vrai, j'y arrive, mais c'est vraiment une difficulté. Et comme tu as dit, de faire du spontané, ben voilà, j'y vais. Et ben, tout ce que vous avez partagé depuis le début et ce qui vient d'être partagé là me parle mais énormément. Enfin,
Ouais, tout relie à l'intérieur de moi plein de choses que j'ai envie de faire, de mettre en place, etc., mais que j'arrive pas à faire toute seule. Donc c'est très joyeux de voir que ça peut être un lieu de connexion et de mise en place de plein de choses. Et le dernier sujet qui a été abordé de la maladie, moi je le vois aussi plus largement pour la différence, le handicap ou les personnes seules. Enfin, moi je vis des choses difficiles aussi dans d'autres contextes. Et je pense qu'effectivement, l'intimité, la profondeur, le lien un à un, l'écoute de l'un de l'autre peut vraiment apporter quelque chose de très nourrissant, quel que soit ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qu'on porte, etc. Donc, waouh, je suis super contente de vous avoir écouté et d'avoir partagé ce moment. Et moi, j'ai déjà mis dans mon emploi du temps que je venais cet été. Et j'aurais vraiment plaisir à participer éventuellement à l'organisation avec vous. Voilà. Et je m'arrête là parce qu'il est 14 h. Merci. Merci Gaëlle d'avoir osé la prise de parole. Yes. C'est précieux et très authentique. Maude et Fabienne, est-ce que vous voulez partager aussi comment c'est pour vous ce qui résonne, un rêve, comment vous vous sentez? Voilà. Je propose qu'on Ouais. 5 minutes de plus et qu'après Ouais. on arrête vraiment. Moi, je vais devoir peut-être m'échapper, je vais voir. En 2 minutes. Vas-y. Moi, ça me parle beaucoup, ce que vous avez partagé. Le rêve du dragon, j'avais eu une petite. J'avais, comment on dit, je sais pas. Une petite introduction lorsque j'avais fait une formation en permaculture. On avait utilisé un outil de rêve du dragon. Je ne l'ai pas dit au début, mais je fais du coaching aussi. Je me suis formée en coaching et. Particulièrement, j'accompagne en coaching de vie. Du coup, accompagner l'humain, aller vraiment retourner à l'individuel pour servir le collectif, ça me parle beaucoup. Et je sentais une peur par rapport à l'implication. J'ai l'impression que cette année, mon agenda se remplit. Et de ce quelle place, en fait, la peur derrière de quelle place je donne à cet événement, parce qu'il y a une envie de participer. Et du coup, ouais, il y a encore la question, et en même temps, je sens que les dimensions qui m'appellent, il y a vraiment un aspect, moi, tout ce qui est cuisine, j'aime beaucoup. Et je sens que c'est quelque chose, bon, je peux apporter. On va voir comment. Et puis aussi, ouais, dans les outils que j'ai développés en coaching, aussi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est régulation du système nerveux. Je vois des choses que je peux partager, apporter. Et notamment, j'y suis revenue quand tu as fait cette petite. Tu as posé ta question, Gabriel, à la fin. Voilà. Fabienne, est-ce que tu veux nous dire un petit mot rapidement et puis après on clôture? Oui, ben moi, tout ce que j'ai entendu, ça me parle beaucoup. Au niveau du rêve, moi, je viens justement parce que j'arrive plus à rêver. Donc, je suis auto-entrepreneur aussi. Je fais du yoga du rire dans les EHPAD. Et là, je suis un petit peu en manque de motivation. Et du coup, c'est ça qui me parle de venir pour entendre les rêves des autres, peut-être, et peut-être retrouver aussi le mien. Merci. Voilà. Ça me donne plein de frissons ce que tu partages. Et du coup, j'avais envie, juste pour finir, j'ai un peu noté, mais de juste faire un petit pouce en l'air si vous avez envie de participer à l'organisation et de rejoindre l'équipe sur différents sujets, à voir ensemble quels pourraient être ces sujets-là. Ok, super. Et cool, trop bien.
Et bon, bah, du coup, la question suivante, j'imagine, si vous avez envie de participer à l'organisation, vous serez là au Summer Camp. J'ai l'impression que ça a quand même un peu lié. Ok. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, moi, je suis très touché aussi par ton partage, Fabienne, parce que ça rejoint un peu mon constat sur l'art. Cette incapacité même qu'ont les artistes à pouvoir rêver leur futur et donc à se remettre en mouvement. Et je pense que c'est hyper important. Et déjà, avoir le constat que tu peux plus rêver, c'est déjà génial, quoi. Déjà une énorme ressource en soi. Il y a des gens qui ne peuvent pas se poser cette question encore. Donc, je pense que l'invitation à partir de là, en fait. Ça fait plaisir d'entendre ça en fait. Je me dis, c'est bien que quelqu'un puisse dire bah, pas rêver, plus réussir à rêver. Ça peut être un début de quelque chose. Merci à vous. Je dois m'en aller, on est en atelier juste maintenant. À bientôt. Yes, merci beaucoup. Je suis très touché aussi. Enfin, ça permet de palper déjà un peu. Enfin, je sens les prémices de ce qui va se tisser ensemble et je suis super content de cette équipe d'orga qui s'étoffe et de jouer avec d'autres copains, copines, d'autres copines. Merci beaucoup pour votre écoute et puis votre confiance pour sauter dans l'aventure. Merci pour votre beau rêve. Merci. Merci. À tout Et à vite. bientôt alors. Merci, au revoir. Oui. À bientôt.